Ah, vous êtes là. Et comment ça va? De retour avec vous sur les actualités en matrice. J'espère que vous m'entendez bien. Ça me tente pas de parler plus fort. Et oui, j'arrose les petites plantes. Vous vous souvenez de ces petites plantes? Avant, ils étaient dans les bacs bleus. On est déjà rendu ici. Et ces petits verres-là sont très pratiques. Sont blancs, fait qu'ils viennent pas trop chaud dans le serre. J'arrose mes petites plantes en préparation de notre zoom d'une heure. On va être en zoom à 13h du Québec aujourd'hui, ce dimanche. Alors, c'est un rendez-vous à vous tous. Et moi, je poursuis mes petites plantes. Il y a une autre belle surprise qui vous attend. C'est sur la communauté. Le dimanche passé de Pâques, j'ai fait une vidéo surprise à fin de compte. Je n'étais pas supposé, mais l'invitation était là. Le sujet était là. Tout était à portée. Alors, il y a une belle vidéo sur la communauté qui vous attend. Le dimanche passé, dimanche de Pâques, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ah, ben, je reviens, je manque d'eau. Et je me mets toujours un peu d'eau dans le serre, comme ça elle est moins froide. Je reviens. Ceux qui sont intéressés à en savoir un peu plus, dites-moi là dans les commentaires. Je vais vous montrer les étapes que. Des étapes de transplantation. Comme ici, j'ai deux endroits, là. Alors, j'ai plus de 60 plants de piment. Alors, 60 plants. Mais Marc, tu n'as pas juste la même sorte de piment. Et non, naturellement, j'ai trois sortes de piment. J'ai les bananes rouges longs. Ça, c'est fait en forme de banane. Ah, ils viennent quand même ça de gros. C'est incroyable. Et rouge, très sucré. Ça, c'est pas trop précoce, c'est moyen, ça. Comparativement, les belles, les gros belles qu'on achète au magasin, eux autres, c'est encore plus lent. J'ai une deuxième sorte aussi, c'est des petits courts sur long, orange, précoce, et jaune aussi. Et très précoce. Je l'ai pour toute la saison, c'est les premiers piments à sortir. Ils sont très sucrés, eux autres aussi. Alors, on a tout simplement arrosé. Au début, j'arrose par le dessus. Et regardez comment eux autres ici, je peux les séparer. Quelques-uns, je peux les laisser ensemble. C'est pas grave. Et la prochaine étape, ça va être les plats de 4 pouces, de 3 pouces. Je peux m'en prendre un ici. Ah, je vais en prendre un. 3 pouces. Prochaine étape. Et que les plants vont être transférés peut-être dans 5 jours, une semaine, les plus gros. Et les plus petits comme ça, là, peut-être que c'est ça. Ça va être du surplus que j'utiliserai sûrement pas, étant très petit. Et le truc aussi que j'ai pour. Partir les semences de piment. Les semences de piment, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus dur, apparemment. Il les met dans un sac ouvert, très important, toujours humide, et il faut que ça atteigne 28 degrés. Jusqu'à 35 degrés, ça germe très facilement. Une fois que c'est germé, vous faites des petits trous, vous les mettez dessus, et vous comblez juste le trou que vous avez fait. Rajoutez pas trop de terre pour rien. Rajoutez pas de terre, même. Faites juste un trou. Avec les semences. Puis là, vous pouvez les séparer
que ça soit dans le dans un verre ou dans un gros clou, là comme ça là, de champignons. Toujours percer vos trous, hein? Toujours percer les verres, percer le fond des verres naturellement. Ah, il manque encore. Ceci c'est 500 ml. Et 500 ml, au début ici c'est de l'eau pure, toujours de l'eau pure. Une fois qu'ils sont germés comme ci, une fois qu'ils sont sortis, là je peux rajouter du transplanteur. Du transplanteur c'est 10-52-10. Le premier c'est pour les feuilles, la deuxième c'est pour les racines, le dernier c'est pour la fleur ou le fruit. Et là on est au début, je veux pas des grandes plantes, puis je veux encore moins de fleurs et de fruits. Fait que c'est le 52, et vraiment important c'est le transplanteur. Et c'est deux petites coupes ras, comme ça, pour 500 ml. Deux petites coupes, vraiment rares. Si vous les mettez bombées, rajoutez-en pas trop. C'est juste ça. Alors, je poursuis. Il faut que j'arrose ceux du bas, ici. Alors, je poursuis et on se retrouve tantôt à 13h, heure du Québec, pour notre Zoom, tant entendu, du 7. Et juste la... À la veille de l'éclipse. L'éclipse, au pauvre Virifou, là, c'est un signe astrologique. C'est tout simplement ça. On poursuit l'histoire virtuelle. Alors, c'est à peu près tout. Ceux qui sont intéressés à en savoir plus ou à me voir transplanter dans les petits pots de 3 pouces, dites-moi-le dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous montrer ma façon de faire. Et il y a beaucoup de trucs, comme ici, vous avez remarqué les tapis chauffants. Bon, là, on ne le voit pas tellement. Tapis chauffants, avec les lumières, vous pouvez rajouter des incandescentes quand c'est trop froid. Il faut toujours que ça dépasse au moins 25 degrés Celsius. Et une fois que c'est assez chaud, comme ici, j'ai enlevé mes incandescentes parce que là, on montait à plus de 35 degrés, c'était beaucoup trop chaud. N'oubliez pas, si vous mettez votre serre au soleil, d'ouvrir ou de dissiper. Au début, dissiper, mais ouvrir aussi en après-midi. Pour ne pas que ça dépasse 35 degrés non plus. Alors, il y a des petits trucs comme des panneaux ici que j'ai rajoutés de réflexion, de lumière. C'est bon pour le soleil, c'est bon pour les lampes. Alors, c'est à peu près tout pour ces actualités. Comment je peux dire ça? Très, très personnel, mais le rendez-vous, faut que je suis comme vous, il faut que je me prépare pour une heure à vous accueillir ce dimanche. Et ça me fait plaisir de vous avoir démontré ce plaisir quotidien que j'ai avec ces petites plantes. Et je vous dis à très bientôt. On se revoit à 13h, heure du Québec. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas disponibles, il y a une vidéo cadeau sur la communauté. C'est liste de lecture, bloc communauté. Il y a une vidéo pour Pâques, c'est écrit dans le titre. Et c'est une surprise. Et je ne suis pas seul. C'est voilà. Alors, allez voir pour ceux qui sont intéressés. Et je vous reviens tantôt au Zoom, tous ensemble. Et ça me fait plaisir de répondre à vos questions et être disponible pour vous. Alors, je vous laisse là-dessus. Vous pouvez partir les semences, comme je vous ai dit, aussi sans lumière. Hein? C'est juste de la chaleur. C'est juste de la chaleur. Je peux vous montrer. C'est des vieilles semences que j'avais de trop. Puis, j'ai pas planté. Et j'ai pensé vous les montrer avant de les disposer. C'est ça, je vais essayer de vous montrer ça. Toujours bien humide. Puis regardez, il y a des petits germes. Je ne sais pas si on les voit bien. Là. Ici, là. Quand il y a des germes comme ça, là, ça veut dire que les autres sont très bonnes et vous pouvez les transplanter immédiatement. Ça, c'est déjà trop long parce qu'ils ont tendance à casser. C'est juste pour vous montrer que c'est vraiment dans un papier comme cela qu'il est idéal pour les semences de piment. Les tomates, je vous reviens là-dessus si ça vous intéresse, dans 3 semaines, 1 mois, c'est complètement autre chose.
Moi, c'est des tomates cerises. Les graines, c'est minuscule et c'est une autre façon de faire que j'ai développée avec le temps. Si, moi, personnellement, je trouve que les tomates, c'est plus dur à gérer parce que ils poussent rapidement, même à 25 degrés. Comparativement aux piments qu'eux autres, à 22 ou 25, ils vont stabiliser, ils vont y aller plus tranquillement. Alors, c'est pour ça que j'ai deux serres. Une serre qui va être un petit peu plus chaude au début, comme celle-ci. Et une deuxième serre, peut-être avec les tapis qui seront pas fonctionnels. Et encore là, ces tapis-là, toujours pratiques. Quand vous sortez vos plantes de la serre pour les acclimater, les 3 dernières semaines, vous pouvez tout simplement mettre le bas tapis au sol et mettre un rack comme ça par-dessus. Et il n'y a pas de problème. Bonjour madame. Bonjour. Oui, ça attire l'attention nécessairement, deux serres comme ça dans une grande fenêtre. Alors, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ah, il y a aussi, si vous avez un petit budget comme moi, les verres ici, c'est 1,50 pour 40, 34. Et ici, la poche de terre du Dollarama, c'est 2,5 $. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment un petit budget. Les serres, ça fait déjà 7 ans que j'ai les ai. C'est à peu près ça, oui. Alors, c'est pas mal tout. Il y a, pour ceux qui ont peut-être pas d'endroit, il y a aussi ces fameuses lumières-là qu'on peut accrocher au plafond et qui éclairent. C'est pas vraiment dispendieux. On l'a sur Amazon une douzaine de dollars, là. Et c'est très efficace, c'est clair sans bon sens et vous pouvez éclairer facilement plus de 50 plantes une fois sorties de la serre, une fois transplantées même dans des plus gros pots. Après le 3 pouces, j'ai fini avec des gros verres comme cela et beaucoup d'espace pour la racine. Encore là. Ça se vend de Dollarama. Toujours percer le fond. Toujours percer le fond. C'est très important. Alors, c'est pas mal tout. Je vais en laisser pour la prochaine fois si cela vous intéresse. C'est ça. Trois sortes de piments. Ceux qui sont intéressés à avoir des petites semences, j'ai des mini piments mauves aussi. C'est des petits plants comestibles, mais aussi de décoration. C'est la même forme que les belles qu'ils vendent au magasin, mais en miniature. C'est vraiment très petit. Moi, je préfère en long, un petit peu plus de chair, moins de semences, et c'est ça. Ils sont aussi rapides, aussi précoces. Parce que des piments, c'est très long. Surtout les gros comme ça, j'en ai fait pendant des années. J'en ai déjà eu des. Je vais vous montrer. C'est vraiment immense, mais je les ai eu dans l'automne. Puis tout l'été, pendant ce temps-là, tu n'as pas d'autres légumes ou de piments. Alors, j'ai changé pour les bananes longues, plus sucrées, un peu plus précoces et beaucoup de petits jaunes et oranges. Alors, je vous laisse là-dessus. C'est pas que j'aime pas ça, mais il faut que j'aille me préparer et il faut que je sois prêt pour vous. Et on se voit à très bientôt, dans quelques heures. Au plaisir de se revoir tout ensemble et écrivez-moi dans les commentaires si cela vous intéresse ou cela ne vous intéresse pas. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est tout pour ces actualités très spéciales. Et ça me fait plaisir de vous revoir dans quelques instants. Je vous dis à très bientôt. OK, bye bye.